Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer au détecteur de mensonges. Il s'avère que ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble et je suspecte plein de choses. Et aujourd'hui, justement, cet appareil va me permettre d'avoir la vérité, toute la vérité. Il faut savoir que cet appareil, qui nous a coûté la bagatelle de 7000 euros, est utilisé par la CIA pour savoir justement, pour faire parler les terroristes. Non, en vrai, pas du tout. Ça fait plus d'un an que je l'ai acheté et que ça fait plus d'un an qu'on dit qu'on va tourner la vidéo. Faut faire la vidéo, à chaque fois on se dit on va la faire, et à chaque fois on remet à plus tard, comme d'habitude. Je soupçonne Karim de me remettre à plus tard parce qu'il a des choses à cacher, mais bon. Je n'ai rien à cacher, je suis un livre ouvert. Ah, bah tu verras, je suis persuadé que... Allez, go. Vas-y. Mais c'est surtout que, en fait, je vais être le plus honnête du monde. Et on va voir justement si cette machine fonctionne bien. As-tu regardé une meuf à poil aujourd'hui? Non. Non? Non. Sur Instagram et tout, hein? Pas du tout. Aucune. Je suis sûr et certain. Ah! La vérité, ça... Eh, ça m'a niqué la main! Oh! Espèce de pute de machine! Je vous jure que j'ai rien regardé aujourd'hui. Aujourd'hui. Et ça, vu ma mère, ça m'a niqué. En fait, comme je le prends très fort. Attends, j'espère que ça va. Je te jure, non, vraiment, je te jure, j'avais pas. Je pense que tu regardes tellement que tu t'en rends même pas compte. Non, non, je te jure que non. Je te promets que non. Promis. J'ai trop peur comment Karim il a réagi. Alors après, il faut savoir que. Hein. Genre, Karim, c'est un mec fragile, quoi. C'est un mec fragile. Vas-y, dépêche. As-tu déjà fait de la chirurgie esthétique? Oui. C'est juste pour voir si c'est calibré correctement. Parce que là, je la connais la réponse. Ça t'a touché? Oui, ça m'a touché. Mais ça, on l'a déjà fait, en plus, il est con ce truc. Bah écoute, je crois qu'en fait, il le détecte les vérités. Ça c'est... Vrai, ça surprend de ouf. J'ai déjà mangé un de mes repas en disant que c'était bon, mais en fait, c'était pas bon du tout. J'étais genre forcé à le manger, quoi. Non, tu cuisines super bien. C'est vrai, y a pas une fois où tu m'as dit genre ça va, c'est bon, alors que c'était dégueulasse. Non. Même la purée filée en filant, non. Ah! Je t'ai dit la purée en trust, t'as une hésitation, enfoiré. Mais attends, et au fond, on est que des putains de menteurs. En fait, je me rappelle pas, non, quand je mange, c'est que j'aime bien. Non, jamais. Putain, c'est de la merde ce truc. Plus jeune, as-tu déjà fait le mur pour sortir de chez tes parents? Oui, c'est vrai, j'ai déjà fait le mur plusieurs fois, même. Je regrette amèrement maintenant. Oh putain, punaise. Tu sais que j'ai eu un stress de ouf. Juste donc t'as déjà fait le mur, voilà, vous ouais, le savez. Ouais, à plusieurs reprises. Pingeek a été un enfant difficile. Oh, ouais, non, mais pour difficile. Mes parents, franchement, je regrette de ouf. Et si vous êtes très jeune et que vous avez l'intention de le faire, le faites pas parce que c'était vraiment inconscient de ouf. Alors, quand t'étais plus jeune, est-ce que t'es déjà sorti avec plusieurs filles en même temps? Ou même plus tard, d'ailleurs. Non. Jamais? Plusieurs filles en même temps, jamais? Jamais. La tête de ma mère. Eh hey, non, ce truc il marche pas. Soit j'appuie trop fort. Non, est-ce que t'avais appuyé tout doucement? Oui, j'appuie jamais mes doigts. En fait, j'appuie tellement fort, peut-être que la machine se dit, lui, il appuie fort, faut que je le... Bizarre quand même à chaque fois, quoi. Non, je te jure. Voilà, je vais être le plus gros menteur de l'histoire de YouTube. Ouais, c'est ça. Non, je te jure, non. M'as-tu déjà menti en me répondant que j'avais pas grossi alors que j'avais grossi? Oui. Oh là, je suis choquée. Oh, je suis choquée. Non, mais je disais pas genre... Genre, en gros, oui, quand je te dis... Ça dit que j'ai dit vrai. En gros, quand je te dis... Bébé, j'ai pris du poids? Non, t'inquiète. Non, mais parce qu'en gros, je voulais pas te dire genre non... Enfin, je disais pas les choses. D'accord. Je disais pas t'as grossi. Ok, il va y avoir des clashs après la vidéo, je vous le dis. As-tu déjà fantasmé sur une youtubeuse? Autre que moi. Non. Je suis en train de réfléchir. Non. Mais avec la poisse que j'ai, vous allez voir, je vais me faire électrocuter. Jamais. Jamais. Voilà! Eh, la tête de ma mère! Cette machine m'en veut! La vie de moi, cette machine m'en veut! Mais non, je regarde aucune autre youtubeuse! Je regarde aucune autre youtubeuse! Je sais pas, moi, des youtubeuses aux États-Unis. Non, mais non, y'a personne! Même, je regarde, je réfléchis dans les fit girls aux États-Unis, non? Mais y'a pas de youtube! Pas de youtubeuse! Ah là, ça y est, on a dit youtubeuse! On n'a pas dit instagrammeuse! Une meuf qui a une, YouTube, y a une chaîne YouTube, ça reste une youtubeuse, même si elle est sur Instagram prioritaire. Non, non, là. Regardez son sourire! Non! Regardez non, son sourire! Mais non! Gros menteur! Et... Mais c'est pour ça, elle le sait, la machine! Mais elle non, le sait! Non, elle cherche le plus profondément, enfin, vas-y! Ayez confiance en moi, la vérité, je dis la vérité. Bah oui, donc on a une machine, elle sert à quoi, là? Mais c'est un jouet! C'est pour faire la bonne ambiance! La bonne ambiance! As-tu déjà simulé avec moi? Oui! Jure! Mais je te l'ai déjà dit en plus. Je te l'ai déjà dit. Oh putain, je te l'ai déjà dit. Mais c'est quoi cette merde? Mais si. Mais si. Parce que hors
cascade hors caméra. Alors on cut là ce moment-là, d'accord. On cut. On revient. On s'est expliqué. Il y a eu du clash un petit peu. En fait, cette machine, elle crée des embrouilles, quoi qu'il arrive. Que tu dises la vérité et que du coup l'autre soit surpris, ou que tu mentes et que la machine te dise. Bref, si une machine a problème, ne l'achetez jamais. As-tu déjà pensé à me larguer dernièrement? Jamais. Je suis trop bien heureux avec toi. Tu te rends compte que depuis tout à l'heure, la machine ne m'a jamais récompensé. Je suis heureux avec toi, je ne veux pas te laisser tomber. Jamais de la vie. Ah, voilà, encore, encore. Non mais hé, c'est une dinguerie, hein. C'est bizarre quand même. C'est une dinguerie, hein. C'est bizarre. Non, pour moi, t'as, pas une seule fois, mais l'écoutez pas. T'as jamais eu du blanc? Jamais. Elle a jamais fait cling-cling, genre en mode t'es un mec bien. Mais c'est toujours chapitre de pute. Peut-être qu'on va changer le cycle. Peut-être que c'est toi qui vas prendre. Vas-y. As-tu déjà fantasmé sur une Instagrammeuse dernièrement? Oui. Tu vois? En fait, c'est un cycle. Ah, c'est juste que. C'est non, juste mais là, que tu dis une vraie vérité? Non? Ouais, non, c'est vrai. Non, je te jure que non. Bizarrement, il dit que genre c'est un mec trop bien et mais tout. Mais non! Bizarrement, il dit que c'est un gros bâtard. Mais non! Ça fonctionne. Non. On fait une dernière vraie question chacun. Vas-y. Attends, on va éteindre la machine. Est-ce qu'on peut l'éteindre? Attends, on va la reboot. Voilà, on va l'éteindre. Les gros joueurs Call of Duty, on va reboot ça. La co. C'est ça. Alors, as-tu réellement aimé tous les cadeaux que je t'ai fait à Noël? Oui. T'es sûr? Certain. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Bon, est-ce que t'as un truc que t'as pas aimé? Dis-moi maintenant la vérité. La vie de ma mère, j'ai tout aimé, bébé. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Vas-y. Promis. D'accord. Bizarre. Franchement, tout est trop bizarre. Fantasme sur Instagrammeuse, oui. Par contre, moi, les cadeaux. Bon, bref. Hein, c'est bizarre parce qu'on a recalibré la machine pourtant. Vas-y, pose-moi ta question. Est-ce que tu m'as dit la vérité quand tu m'as annoncé le nombre de partenaires que tu as eu dans ta vie? Oui. Ah oui. Ah, elle dit la vérité. Oui, je te jure que oui. Elle dit la vérité. Non, je te jure sur ma vie que oui. Ah bon, bah écoutez, aujourd'hui, non, grâce à cette machine, je viens enfin d'avoir confirmation d'une question que je lui pose depuis plus de 6 ans. Bref, en tout cas, je suis bien content. Je vais maintenant, je vais la garder à portée de main dans ma poche. Siam, je te jure, après ça va qu'elle. Voilà, Siam. Je vais le poser. Non, bah après, elle va pleurer. Ah non, il faudrait mettre la vibration. En fait, Siam, je la soupçonne à chaque fois de mentir. Chaque fois qu'on lui dit, tu t'es levé à quelle heure? Parce que Siam, c'est une fille qui se lève à 6h du mat. 4h du mat. Peu importe, tu la coches à 20h, 23h, elle va se lever à 6h du mat. Et après, tout le reste de la journée, elle va avoir des cernes comme ça, elle va être épuisée. Je sais pas pourquoi. Et donc, la prochaine fois qu'elle vient à la maison, je vais lui faire le détecteur. Sauf que cette fois-ci, elle, je lui mettrai la vibration. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. Donc, on peut quand même avoir un léger soupçon. Non, léger. Pas du tout, moi. Très léger soupçon sur l'efficacité de cette machine. Franchement, je kifferais avoir la possibilité de tester une vraie machine. Donc, si vous connaissez quelqu'un. Même si tu testes une vraie machine, il faut que la personne, elle soit. Il y a une personne qui soit qualifiée pour. Franchement, si quelqu'un parmi vous. Ou dans votre entourage, possède une vraie machine qui peut détecter les mensonges, comme qui dans connaît... le film Meet the Fucker, là. Voilà. Mon beau-père, ses parents et nous. Ouais, et franchement, je serais vraiment en kiff de pouvoir tester une vraie machine, parce que bien entendu, ça, c'est un jouet pour divertissement, c'est pour animer vos soirées et tout. Et du coup, vous avez pu apprendre quelques vérités qui sont un petit peu gênantes, mais bon, c'est pas bien grave. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de petits likes, n'hésitez pas à lâcher quelques petits commentaires, et sur ce, on va régler nos comptes. On va régler nos comptes, tout simplement. Sur ce, on vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, selon quand vous regardez la vidéo. Je sais pas si je vous proposerai une vidéo pour le nouvel an, je me tâte pour essayer de faire quelque chose, mais voilà, je suis pas sûr. Peut-être une vidéo de mes résolutions de l'année 2021, en espérant que l'année 2021 soit plus propice aux projets extérieurs, et qu'on puisse revoyager un petit peu. Bref, allez, salut tout le monde. Salut tout le monde.